Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo, je termine mon Speed G01. Alors pour rappel, c'était un petit avion que j'avais fabriqué 100% d'éperon. Si t'as loupé la vidéo de la semaine dernière, je te mets le lien juste là. Aujourd'hui, je termine l'avion, je pose toute l'électronique, un petit coup de bombe de peinture et je fais un petit test en vol. Allez, on est parti! Alors comme matériel, je vais installer ce petit moteur brushless 1507 2700 kW, un moteur One Model avec une hélice 50-45 avec son cône, 3 micros servo 3,7 g, un micro récepteur FS2A FlySky, un ESC 10 A, une lipo 450 mAh en 2S, quelques guignols, de la corde à piano et enfin un câble Y pour relier mes deux servos ailerons en une seule voie sur mon récepteur. Alors je vais commencer par fixer mon micro servo pour la profondeur. Pour pouvoir passer mon fil, je vais devoir faire un trou. Je vais mettre une petite rallonge servo, celle-là devrait suffire. Je vais creuser cette partie-là, donc ça c'est les pièces 3. Je vais les creuser pour laisser passer le fil de ma profondeur et les fils de mes ailerons. Pour le moteur, je vais installer ce petit One Model en 1507 2700 kW. Et je vais le fixer sur un petit bout de contreplaqué de 3 mm. J'ai quand même rajouté deux petites rondelles là que j'avais, dommage j'en avais pas quatre, mais deux ce sera déjà bien, parce que mes petites vis s'enfonçaient dans le contreplaqué. Bon là ça me semble vraiment solide. Je branche mon moteur à mon ESC, donc un 10 A, et je m'assure qu'il tourne dans le bon sens. Je vais pouvoir le fixer à la colle chaude. Pour les branchements, donc là il y a mon micro récepteur FS2A,
les ailerons en 1, ma profondeur en 2 et mon ESC en 3. Toute mon électronique est installée. Plus qu'à faire une petite déco. Et pour finir, une hélice 50-45 et un petit cône imprimé en 3D en PLA. Voilà, donc ce premier test a été fait avec beaucoup de vent, donc effectivement c'était pas très pratique. Je me suis fait trimballer à droite à gauche parce que l'appareil est vraiment trop léger pour ça. Mais l'important c'était de voir comment il se comportait, il s'est plutôt bien démerdé, et surtout voir un petit peu le centrage où j'en étais. J'ai dû rajouter 30 grammes de plomb à l'avant, ça c'est vraiment dommage de rajouter autant de poids sur un petit avion comme ça. Et encore on peut voir qu'il vole un petit peu la queue basse, ce qui fait qu'il doit encore ajouter du poids. Alors pour éviter de rajouter et rajouter encore un petit peu de plomb, je vais simplement reculer le centre, le point de centrage, le centre de gravité de l'appareil. Donc pour ça, je vais reculer l'aile sur le fuselage. Évidemment, ces modifications, elles seront faites sur le plan que tu pourras télécharger dans la description.
Voilà, bah franchement, je suis super content du résultat. Il vole vraiment super bien, il est super facile à manier. Même à basse vitesse, avant de le faire décrocher, faut vraiment y aller. Cet avion-là permet vraiment de s'initier à quelques acrobaties, sans trop de risques, parce que même s'il tombe au sol, il est tellement léger qu'il va pas se casser si facilement. Alors en termes de poids, après modification, j'ai quand même dû laisser les 20 grammes à l'avant, contre au moins 40 grammes avant modification. Donc c'est toujours ça de prix, et là je suis à 250 grammes avec la lipo. Donc pour s'initier à quelques acrobaties, ou simplement s'initier à l'aéromodélisme, cet avion-là, ce sera vraiment le top. Voilà, bah n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cet avion t'a plu, si tu veux que je refasse d'autres avions du même style. Pense à t'abonner à la chaîne et partage un max autour de toi la vidéo. On se dit à plus, ciao!